Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Pourquoi dans la Torah nous voyons des notions qui sont un peu impalpables? Enfin, quel est le sens de ces notions-là? Les notions d'impureté. On voit qu'un mort rend impur. On voit que lorsqu'on rentre dans les toilettes, on doit se laver les mains. Lorsqu'on se lève du sommeil, on doit se laver les mains. Lorsqu'on touche une partie du corps, on doit se laver les mains. Qu'elle se coupe les cheveux, il doit se laver les mains. Donc on voit qu'il y a... On se coupe les ongles. Alors, quel est exactement le sens, si on peut donner un sens là-dessus? Alors, les notions d'impureté, évidemment, c'est une notion irrationnelle par excellence. On peut voir un dénominateur commun des choses impures, c'est lorsqu'il y a eu un potentiel de vie qui ne sera pas réalisé. Il y a la vie. Dieu a créé la vie et la mort. Le bien et le mal. La mort, qu'est-ce que c'est? La mort en elle-même, c'est rien. On dit une chose qu'elle est morte quand on dit qu'elle était vivante. Elle était vivante. Une chose qui n'a pas de potentiel de vie ou n'a pas été vivant, alors on ne peut pas dire qu'il est mort. Il n'y a rien. Mort signifie potentiellement vivant. Lorsque il y a un potentiel de vie qui ne sera pas réalisé, ou une chose qui se sépare de la vie, donc qui meurt, il y a mort. Alors par exemple, quelqu'un qui meurt, c'est l'exemple numéro un. Qu'est-ce que c'est? Il y a un corps. Ce corps était habité par une âme qui lui donnait la vie. Il agissait, il réalisait des choses très grandes. Lorsque ce corps-là, qui est le keli, c'est-à-dire l'instrument de la réalisation, il arrête d'être instrument de réalisation. Et c'est un potentiel, un instrument qui pourrait être utilisé pour faire, il ne fait plus. Un peu cela tamé, mort. Maintenant, plus le potentiel est grand, plus la touma sera grande. Je prends maintenant un verre. Il est plein. Je le vide. Je prends maintenant un tonneau. Il est plein. Je le vide. Qui est plus vide? Alors, les deux sont vides. Lequel est plus vide? Les deux sont vides. Mais il y a un dans lequel le vide est plus grand. Le tonneau. Parce qu'il y a un potentiel plus grand. Il y a une Touma plus grande. Avis à votre Touma, dans les lois de Touma, c'est une loi très compliquée, le père des pères de la Touma, c'est-à-dire l'archétype de la Touma, c'est le mort, l'homme mort. C'est le plus grand potentiel de vie qu'il y a sur Terre. Une femme Nida, une femme qui a sa période de menstruation, elle est Nida. C'est pas que c'est sale, c'est tamé. Même si elle était une fois de la menstruation, après, pendant 50 années, elle n'a plus de menstruation, elle reste tamée, elle reste impure. Et si un homme a une relation avec elle, alors il transgresse un interdit des plus graves de la Torah, karet. C'est un interdit, mieux vaut transgresser, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Sa femme, qui est ma femme, qui est Nida, elle était Nida il y a 50 ans, c'est tout. Après, elle a eu un problème d'hormones, elle n'a plus de menstruation du tout, elle est tamée, elle est impure, et la relation avec elle est interdite, au point que d'après la Torah, c'est dur, je sais que ça peut choquer des gens, mais c'est marqué noir sur blanc, la référence est Hérodéa Kouf Tzadik Hei, à la fin du Hérodéa, et Ahmed Chaim, dans son livre Mahan Israël, dans le 4e chapitre, le dit très très clairement, c'est un des interdits de Yareg de Baliavor, mieux vaut transgresser, mieux vaut se faire tuer que transgresser, on parle ça de façon volontaire. Involontaire, ok. À moins qu'elle fasse bien sûr le processus de pureté. Très bien. Si elle fait, il y a un processus de pureté à faire. Mais 7 jours, plus le mikvé, enfin, il y a tout un processus, c'est pas le lieu d'en parler.
Et si on ne fait pas ce processus, alors elle reste dans son impureté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ici un potentiel de vie très grand qu'elle avait donné la vie. Lorsqu'il y a une menstruation, c'est quoi la menstruation? Ce sont les muqueuses vaginales qui se désagrègent. Il y avait ici un comment on appelle ça? Une matrice. Bétite, voilà, en hébreu la bétite, en français, l'ovaire, l'ovule, l'ovaire qui fait des ovules, d'accord, l'ovule descendait dans la trompe et il y avait un potentiel de le féconder et d'en faire un être humain. Ce potentiel n'a pas été réalisé, donc il y a ici Touma, il y a une vie, un potentiel de vie qui doit être réalisé, qui n'est pas réalisé, donc mort. Elle l'attire vers elle, c'est quoi le mot Nida? Nad est parti. Hey, c'est le nom de Dieu. Après, elle va au Migvé. C'est quoi les lettres du mot Migvé? Même, c'est Maïm, O. Kav, c'est un lien. Hey, vers le Hey. Tu refais revenir le Hey. C'est pour ça que le Migvé, c'est nécessaire. Une bonne douche ou un bon bain, ça sert à rien. Il faut un migvé. On parle des choses irrationnelles ici. On parle au niveau des âmes. Quelqu'un qui a une... qu'on appelle ça? La semence. Une séminaison. Les batalas ou pas les batalas? Il a... Une perte séminale. Perte séminale. Ou relation, où il n'y a pas de perte. Mais néanmoins, il y a une partie de ce sperme qui ne sera pas utilisé, donc il y a de la vie qui n'est pas réalisée, donc il y a mort, donc il y a impureté. Du temps, il y a 2000 ans, jusqu'il y a 2000 ans, il était interdit d'étudier la Torah si quelqu'un avait eu une perte séminale, en relation ou hors relation, parce qu'il est tamé. Chazal ont aboli cette interdit, ils ont dit c'est pas une chose, on a une loi, quand c'est une loi des Rabbanan, où la majorité du public ne peut pas la suivre, on l'abolit. Par la majorité du public, on ne pouvait pas, parce qu'à l'époque, c'est pas les migvés chauds qu'on avait aujourd'hui, il fallait aller dans les grottes en plein hiver, glagla, d'accord, c'était pas chauffé, dans le froid, dans la nuit, qui tenait le coup? Donc c'était aboli. Aujourd'hui, qu'il y a les migvés chauds, c'est très conseillé d'aller, après une relation avec quelqu'un qui est marié, avec une relation plus forte raison pour quelqu'un qui n'est pas marié, c'est une sémination en vain, d'aller au migvé avant d'étudier. C'est important. Pas obligatoire, mais c'est bien. D'autres exemples. Quelqu'un coupe les ongles. Il faut saver les mains après, faire une netlat yadaim. Pourquoi? De nouveau, il y a une partie ici de...